Hello les beaux gosses, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Fruit, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et honnêtement on va tester un jeu qui a l'air vraiment super stylé de fou. En fait, pour la petite anecdote, c'est la personne qui est en train de développer le jeu Chouchou Charles que j'attends avec grande impatience. Vous savez, j'avais même réagi, bah vous savez quoi, tapez Fruit Chouchou Charles et vous verrez bien ma réaction au trailer. Il y a un trailer qui est disponible, le jeu a l'air vraiment cool, c'est avec une sorte de Thomas le Train démoniaque et tout. Enfin après ça va être incroyable. Et bah cette personne là a décidé, je pense, de se lancer un challenge et a décidé de faire un jeu d'horreur en 24 heures. Donc le jeu, il l'a fait en moins de 24 heures. Et honnêtement, quand j'ai vu les images, je me suis dit putain, ça a l'air lourd de fou. Alors c'est pas très long, mais en gros l'histoire c'est qu'on va se trouver dans un hôtel avec un serpent géant qui va essayer de nous tuer. Donc je pense que parmi vous, il y en a peut-être qui ont la phobie des serpents. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire c'est quoi votre phobie dans les commentaires. Est-ce que c'est les araignées? Est-ce que c'est les serpents? Tout ça. Enfin bref, je pense que là, je vais jouer à un jeu avec la phobie de plus d'un d'entre vous ou d'une d'entre vous. Moi, je suis plus sensible aux araignées personnellement qu'aux serpents. Même si je t'avoue que si je tombais un jour face à un gros serpent, je serais pas bien du tout. Hein, je serais vraiment pas bien. Et du coup, je vais quand même essayer de prendre mon courage à deux mains et aller affronter ce serpent. Je vais me la jouer Harry Potter comme dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je serai Harry Potter. Ce sera le basilic. Je vais le désinguer comme jamais. Allez, j'espère que vous êtes prêts les BG pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle découverte de jeu. Oui, bon, on perd pas de temps et on y va. Ok, nous voici du coup dans l'hôtel. Alors c'est très joli visuellement, hein. Franchement c'est très très propre. The Devil Incarnate. Ok, donc l'incarnation démoniaque avec une image de serpent. Donc on se retrouve dans un hôtel ici. Je suis venu en vacances au Bahamas, sous les tropiques, tu vois, pour chercher un petit peu le soleil, boire des cocktails sur la plage, etc. Se mettre bien quoi. Donc là en fait j'ai été chez la réceptionniste et elle m'a donné ma clé de chambre. Ah, alors où se trouve ma clé de chambre les amis? Ça fait un peu ambiance Dark Deception. Vous en pensez quoi? D'ailleurs Dark Deception, je sais que vous êtes beaucoup à me réclamer les autres chapitres. Faudra que je fasse les autres chapitres, les BG. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire ça. Chambre 124. Alors, ce serait bien de m'afficher le numéro de ma chambre. Là, on a la chambre 123. Ok. Ah, tiens, bon, pourquoi est-ce qu'elle est dans l'obscurité, celle-là? Pourquoi est-ce qu'il y a des lumières sur les portes, mais pas celle-là? Ah, je sais pas, je sais pas. Numéro 121, 120... Ok, 119. On va bien finir par trouver notre chambre. C'est quoi ça? I didn't think it was possible. I saw a pipi d'ici. The No Snake Hotel really lives up there. Et bien, moi, the little girl and God. After 50 years in solitude, je sais pas quoi. Thanks, No Snake Hotel. C'est quoi ces sons? Oula, oula, oula. C'est quoi ces sons-là? Le serpent? C'est toi? Si tu veux, on peut aller se boire un verre en vrai de vrai. Hein. Moi, je suis chaud. Hein. Je pense qu'il va me faire boire son venin, surtout, ce fou. Ok, là, hein, ok. Ok, de trouver machin quand même. L'hôtel est assez grand. Mais j'entends des bruits, c'est affreux, genre. C'est pas des bruits de pas, mais. Comme s'il y avait une présence, genre. Donc, on sait la vérité. On sait très bien ce qui va se passer. On sait qu'il y a un serpent de merde. C'est quoi ça? C'est un canapé? Putain, je pensais que c'était un bout du serpent. On sait que le serpent, il est là, tu vois. On sait qu'il rôde dans les parages. Everywhere, expert here. Plus je vais avancer et plus je risque de le rencontrer, non? C'est ça le bail, hein? Attends, on va aller près du canapé. Oh, 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 oh. Putain, en 24 heures, vous imaginez? En 24 heures, ça a été fait le jeu. Incroyable. Beaucoup trop de talent. Ça annonce vraiment du très très lourd pour Chouchou Charles. 101. Oh là là, c'est les seules portes, je pense, que je vais pouvoir ouvrir. Il y a du sang en plus. Oh, oh là là, mon dieu, mon dieu. Je n'ai pas envie d'ouvrir cette porte. Putain, imaginez, j'ouvre la porte et le serpent me saute dessus. Ce serait l'angoisse. Serpent? C'est bon? De toute façon, je parle fourche langue, il n'y a pas de souci. Waouh! Oh, 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 oh. C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai cru voir un truc par terre, mais je crois juste que je suis complètement fou. C'est peut-être une anguille ou je sais pas quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y avait un bébé serpent ou. Ouah, pourquoi c'est si sombre là? Attends, je peux aller là-bas? Non, c'est bloqué, ok, ça doit être, je sais pas, un débarras ou un truc comme ça. Oh, 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 oh. What the fuck, man? What? Snake? Putain, j'avais cru voir Shrek. Mais ça s'écrit pas comme ça, Snake. S-N-A-K-E. Là, c'est Snake. S-N-E-K. Attends. Mais attends, j'ai loupé un épisode. À mon avis, il doit y avoir un moyen de s'échapper. Je sais pas. En tout cas, on va retenter. Parce qu'il y a peut-être un truc que j'ai zappé. Donc, on va réessayer. Mais moi, ça m'a fait trop peur en vrai. Le serpent est magnifique, par contre. Enfin, magnifique. On va dire qu'il est magnifiquement moche. Disons qu'il est moche. Mais il est bon en même temps parce qu'il est bien réalisé. Franchement, super quali. C'est dommage que le jeu soit court. Parce qu'en vrai, un jeu comme ça, ça peut avoir un potentiel de fou. Vous imaginez une sorte de jeu survival horror comme ça. Avec un serpent géant. En vrai, il y aurait trop moyen de faire un truc trop cool. Ou genre plusieurs niveaux, plusieurs endroits. Find Room 100, ah c'est ça en fait, mon objectif c'était ça, je devais, vous voyez pas à cause de la caméra. J'ai une grosse tête, je sais bien, désolé. En fait c'était ça, ouais, il fallait que je trouve la chambre 100. D'ailleurs, est-ce que je l'ai vue, la chambre 100 au final? Je ne sais pas, je ne sais pas. 112, tu vois, je regarde s'il n'y avait pas un truc à faire, si j'ai pas loupé quelque chose, genre tu sais, un élément. Genre là, tu vois, il y a une lettre par exemple que j'avais pas vue. One time, some other hotel, walking into my room. Une fois dans un autre hôtel, j'ai marché vers ma chambre, et quand je me suis retourné...
J'ai vu un serpent. Ok, en gros, il a déjà eu une expérience bizarre où il a vu un serpent. Super. Et bah écoute, là, t'es un peu dans le Snake Hotel. Donc, je vais pas te mentir que s'il doit y avoir des serpents quelque part, c'est bien dans ce foutu hôtel de mort. Elle est derrière, en fait. Ils l'ont fait exprès. Y a rien ici? Caché? Est-ce qu'il y a pas un truc caché ici? Non, y a rien. Ok. Pour l'instant, ici, on a vraiment vu zéro moyen de s'échapper. On peut ouvrir zéro porte. Donc, hop, je vais ouvrir les portes ici. Et on sait que le serpent, il arrive vraiment quand, bam, j'arrive là-bas. C'est près du petit canapé ici. Oh putain. Tu vois, genre là, là, si je me dépêche. Non, si je me dépêche, si je me dépêche. Non, mais il doit bien y avoir un moyen de s'échapper. C'est pas possible. Il doit y avoir un moyen de contrer le serpent. Ok, j'ai une idée les BG. Ce que je vais faire, c'est que dès que j'arrive et que j'entends le bruit, je retourne en arrière et j'essaye de vraiment de revenir aussi vite que je peux pour voir s'il y a moyen du coup d'arriver à m'échapper. On va essayer, on va essayer. No snake, 99,99% garantie, mon cul, ouais. Pas de serpent. Il y a le plus gros serpent que j'ai vu de ma vie. Tu rigoles ou quoi? Clairement, il y a un mensonge. Step on it. Bon, allez, on va retenter du coup. On va retenter. On va pas perdre de temps. On va retourner à l'endroit où le serpent surgit. Et on va voir si je peux vite revenir en arrière dès que j'entends un bruit bizarre. Tu vois, le but, en fait, c'est d'ouvrir la porte là et d'arriver à revenir en arrière juste après. Ok, on va essayer. Ok. Tu vois, genre là, il faudrait que j'arrive à courir en arrière. Attention, attention, attention. Bon, allez, tu vois. Là, je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Est-ce qu'il arrive ou pas? Ah. Je crois qu'il n'est pas encore là. Vous êtes prêts? Attention. Ok, on y va, 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 on y va. Non, je peux pas aller là. Où est-ce que je dois aller alors? Alors, il me reste plus qu'une seule possibilité. L'affronter de front, c'est impossible. Mais d'aller en arrière, tout simplement. Voilà, 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 voilà. Voilà, c'est là-bas. Il faut que j'aille là-bas, il faut que j'aille là-bas, il faut que j'aille là-bas. Faut que j'aille là-bas. L'ascenseur, l'ascenseur, l'ascenseur. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ah non, mais attends, je dois me faire choper dans tous les cas. Mais non. Ah, je pense qu'en fait, t'es obligé de te faire niquer à chaque fois. Je pense pas qu'il y ait peut-être un jour, tu vois, s'il refait une V2. Je crois pas que tu peux avoir une bonne fin, en fait. Tu finis forcément mort, même en atteignant l'ascenseur. Mais là, honnêtement, à part rentrer dans l'ascenseur, il n'y a pas d'autre possibilité, je pense, pour essayer de s'échapper. La mort était évidente. Malheureusement, notre destin en arrivant dans cet hôtel était déjà scellé par ce serpent géant qui a fait de moi son repas. Le petit-déj, le déjeuner, tout en même temps, frérot. Bon, bah malheureusement, les beaux gosses, je m'avoue vaincu face à ce serpent géant. J'espère un jour peut-être pouvoir me venger comme il se doit, peut-être voir carrément l'éliminer, mais pour l'instant ce n'est pas possible. Je me suis fait grailler comme un vulgaire déchet, mais le jeu est vraiment énorme. Il pourrait tellement y avoir un potentiel de fou. Après, il a fait ça en 24 heures. Peut-être qu'il refera genre une version bien plus longue un jour, mais quand il aura fini, je pense, Chouchou Charles, qui est clairement son jeu phare, que j'attends vraiment avec grande impatience d'ailleurs. Mais ça m'a permis de passer un petit moment tout sympa pour mes horrifiques quand même malgré tout, et franchement c'était lourd de fou. Donc si vous avez kiffé, bah dites-le moi dans les coms, likez, abonnez-vous à la chaîne, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos horrifiques ou autre. C'était Frites, ciao ciao.